pas du tout. Bon, comme vous avez pu le voir, on est bien arrivé dans notre super chambre d'hôtel. C'est la première fois que je suis dans un hôtel 5 étoiles. On a été un peu surpris par tout ce qui se passe. On nous a offert une petite boisson. Plutôt bonne, pétillante. Je suis pas très fan du pétillant, mais c'est plutôt bon pour une fois. Et sans alcool, donc c'est parfait. Et on nous a, dès qu'on est arrivé, on nous a pris notre valise. Et on nous l'a montée dans la chambre. Et moi, j'étais genre, quand le mec est venu prendre la valise, j'étais en mode, mais je fais quoi? Laisse-moi ma valise. Voilà. Et du coup, bah, je suis aussi choquée par la taille du lit. Attendez, je vous montre. Oh, on peut mettre 3 personnes. C'est fou. Carrément, on chuchote, on n'ose même pas parler, là. Mais bon. On va peut-être s'habituer. On n'a pas l'air de s'habituer. On vient de rentrer de notre balade, on a bien mangé, on a mangé des petites spécialités, je crois, sur le marché de Noël qui s'appelait des langos, c'était grave bon, ça nous a archi rempli. Et là on vient de rentrer à l'hôtel, ils ont fait des trucs trop mignons, ils ont mis, je vais vous montrer, nos chaussons par terre, de chaque côté du lit, avec sur des petites serviettes, genre comme ça, et de l'autre côté, enfin, vous voyez pas, le lit est trop grand. Côté ici, chercher mes chaussons, mais en fait ils les avaient mis là, ils ont rajouté des petites bouteilles d'eau et des petits marque-pages pour qu'on lise ce soir et une petite carte en me disant que si on veut qu'ils changent nos draps, on met cette petite carte sur le lit alors qu'ils ont dit qu'ils les changent tous les deux jours, donc en gros si on veut qu'on les change tous les jours quoi. Voilà, c'est donc ça la vie en 5 étoiles. Bon, je vais pouvoir enlever mon manteau et franchement on a grave envie de prendre un bain là, ça donne trop envie parce que la baignoire elle est immense. Et là, bah, faudrait que je défasse la valise aussi. Et puis après, bah, on va se poser. Hein. Mon super miroir pour vous montrer mes tenues tous les jours. J'adore. Aujourd'hui, tenue du jour. J'avais un petit bonnet. C'était tout à l'heure gris avec mon manteau noir et petit sac. Et je vais ouvrir pour vous montrer le reste. Voilà, j'ouvre ma veste. En gros, et que j'enlève mon écharpe, j'ai mon petit pantalon gris. Un petit pull gris, donc c'est vraiment un total look gris quoi. Et voilà la tenue sur la veste. Bon, j'ai pas du tout retiré la veste de la journée. T'as une ampoule au pied? Et j'ai mis un petit sac avec un collant très opaque pour pas avoir froid. Les petites bottes. Et derrière, vous allez peut-être voir, il y a un petit nœud pour aller avec la jupe. Voilà, et là on va prendre le petit déj, donc je mets pas encore mon manteau. Yeah.
mouse again. Just leave me that I just. Tiens, il s'est fait un copain qui a fait un coup caca à côté, mais ils sont en pleine conversation. Il aime trop être ami avec tous les animaux qu'il croise en voyage. 449.3, bah oui, on est d'accord, bah ouais. Ah ouais, je suis d'accord aussi. Un escalier, t'as peur interminable en plus. Ça fait 30 minutes qu'on monte. Putain, j'en peux plus. J'ai l'impression que c'est un labyrinthe. On va jamais trouver la sortie. C'est un truc de fou. On a eu droit à des nouvelles petites bouteilles d'eau. Donc, je vous souviens que vous des nouvelles petites bouteilles d'eau. Ils ont refait le lit, qui est immense toujours. Bastien regarde la télé locale. Regarde le match de la Coupe du Monde. Putain, de qualité, frère. On qui joue Je sais pas, c'est une chaîne du Qatar, apparemment, Qatar Club, non? Je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est quoi le Bifort, mais c'est une chaîne française, c'est une chaîne. C'est qui le match? C'est Sénégal. Avec qui? Entre les Pays-Bas. Ah, oh. Qui va gagner? Pronostic. Les Pays-Bas, je pense. Malheureusement. Okay. On verra ça ce soir. On teste un kebab hongrois. À la rentrée, il y a encore des gens qui ont fait notre lit, déjà. Et qui ont mis des petits marque-pages sur le lit. Et nos chaussons sur les petites serviettes sur le sol. Et ça, c'est tous les soirs. Et puis une petite bouteille d'eau aussi, je crois. Elle était déjà là, mais ils ont rajouté, genre. Et voilà, ils ont dû voir qu'on avait acheté des bouteilles d'eau. Et qu'en fait, ils nous ont quand même donné des bouteilles encore. Ah là là. Je suis rentrée avec mon sac Pull&Bear dans l'hôtel. Je me suis dit, je vais passer, pourquoi? Mais c'est ça la vraie vie. Allez, j'ai Pull&Bear. Et pourquoi je suis allée chez Pull&Bear? Parce que j'avais pas de tenue sport pour aller à la salle. Parce qu'il y a une salle dans l'hôtel. Parce que Bastien veut absolument aller à la salle parce qu'il dit qu'on a payé pour la salle. Donc je vais aller à la salle avec lui, avec cette tenue de sport que j'ai achetée chez Pull&Bear. Parce que je voulais archi pas payer cher. Enfin, j'ai 40 000 tenues de sport chez moi qui m'ont coûté une blinde mais que j'ai oublié. Du coup voilà. Je vais y aller avec ma petite tenue de Pull&Bear que je vais vous montrer d'ailleurs. Petit unboxing tout à l'heure. Et voilà ma meilleure tenue de sport. Après je n'ai pas fait de sport depuis des mois. Ça va être laborieux. Regardez mon ventre là. C'est que du gras. Arrive à la salle de sport, c'est trop beau. Des petites bouteilles à remonter, des boissons. Non, je vais prendre une bouteille d'eau. C'est un peu de crème, c'est une. Merci. Il n'y a pas un pilote, il n'y a que nous. C'est ouf. Ouais, celle que pour nous. Je suis vraiment yes. C'est quoi cette séance de sport? Je vais faire un truc un peu mieux quand même. On vient de rentrer du petit déjeuner. J'ai trop mangé. J'ai abusé du bail. Genre, c'est n'importe quoi. Du coup, aujourd'hui, direction les bains de. J'ai oublié comment ça se prononce. C'est genre chez Yenji, je crois que c'est ça. Je vous écrirai le nom. Dans les matériaux.
Et d'abord, faut qu'on achète des tongs. Parce que les tongs, c'est obligatoire. Et j'en ai pas. Parce que j'ai oublié. Après, à tennis sport, c'est les tongs. Du coup, on doit acheter des tongs avant. Et après, je vais aller me baigner dans les terres. Avec Baba. T'as vu ma meilleure photo. Évidemment. Et voilà. J'ai trop mangé avant. Je crois que je vais vomir. Les amis, votre pote souffre de la grisaille parce que j'ai évidemment oublié de commander de la crème hydratante. Du coup, pas d'en avoir ramené. Du coup, je vais en demander. Je crois que c'est ça. Body lotion, ça doit être ça. Enfin, order. Et bah, je crois que j'ai même pas de truc à remplir en plus parce que je crois qu'ils ont retenu tout ce que j'avais mis. Donc je vais demander ça. Et du coup, pendant qu'ils vont m'amener ma crème hydratante, je vais essayer de leur refiler ce petit truc qui traîne depuis. On est arrivé parce que les verres, c'est ce qu'ils nous ont donné quand on est arrivé, et le plateau, c'est quand ils nous ont donné les brosses à dents et le gel douche. Et tout est là, ils récupèrent pas. Je sais pas, je pense qu'on en a peut-être besoin. Du coup, je vais essayer de le refiler en échange de ce que je vais recevoir. Voilà. En vrai, c'est horrible parce que quand t'es dans un hôtel, enfin, ça c'est vraiment hyper longtemps, j'étais pas allée dans un hôtel, et encore, j'étais jamais allée dans un hôtel 5 étoiles. Et en fait, tu te rends compte qu'ils passent tout le temps dans ta chambre, genre dès que t'es pas là. Et du coup, ça fait trop peur. Parce que dès que, enfin, je sais pas, moi je me sens trop mal quand je laisse plein de trucs traîner, quand c'est pas rangé et tout. Je me dis, bah, ils doivent se dire que je mets le bordel et tout. Et en fait, je sais qu'ils doivent voir pire que ça, mais genre, du coup, j'ai envie de ranger tout le temps parce que je me dis, il y a toujours quelqu'un qui peut rentrer dans la chambre à tout moment quand je suis pas là et voir tout le bazar que je laisse. Alors que, genre, dans un Airbnb, j'aurais mis le bordel et j'aurais rangé que le dernier jour, quoi. Et ici, non. Du coup, bah, c'est trop bien. C'est que j'ai l'esprit beaucoup moins tranquille d'être ici. D'être dans un Airbnb parce que je me dis il faut que j'essaye de ranger un minimum tout pour pas que ce soit trop le bordel pendant que la personne vient genre passer l'aspirateur, faire le lit et tout. Donc voilà, c'est trop de pression. Petit déjeuner avec Bastien, on était en mode trop mal pour un des serveurs parce que quand on venait d'arriver, genre il a fait tomber purée, mais j'ai des miettes sur la bouche, force de bouffer comme quatre. Donc je disais que le serveur il a fait tomber dès qu'on est arrivé en fait. On était genre à l'accueil en train de dire qui on était. Enfin, on s'est présenté à l'accueil, on entend des assiettes, enfin des bols qui s'éclatent par terre. Donc c'était un des serveurs, du coup on était en mode oh le pauvre, enfin c'était juste avant de rentrer dans la cuisine, donc en gros c'était devant les clients, mais juste avant la cuisine. Et c'est pas après, pendant qu'on mange, il refait tomber des trucs, mais devant des clients, vraiment devant la table, au moment de les desservir, je crois. Il refait tomber des assiettes et tout, et il casse des trucs. On était trop mal pour lui, parce que dans le pot, ça fait deux fois d'affilée qu'il fait tomber des trucs. À mon avis, il va se faire engueuler de ouf. Parce que, bah, évidemment, quand t'es dans un... Déjà, je pense que dans un truc classique, si tu fais tomber deux fois d'affilée des trucs, tu te fais un peu engueuler, mais alors, dans un 5 étoiles, je pense que c'est encore pire. Et du coup, on sentait trop mal pour lui. En plus, ça devait être trop... Enfin, Bastien, il a remarqué, moi, j'ai pas vu. Apparemment, ça se voyait qu'à un moment, ses collègues ils s'étaient réunis à trois en train de parler de lui. En mode, c'est chaud, il avait tombé deux fois des trucs et tout. Du coup, voilà. On a compati. J'espère que ça va aller pour lui. Ça y est, j'ai reçu ma petite crème hydratante Aqualipharma. Bastien, je t'attends à aller à cette patinoire puisqu'elle ouvre à 17h. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire jusque là? Parce que là, il est 16h et quelques, je crois. Et là, le château, regardez comment il est trop beau. On se croirait dans un Disney, parce qu'il a dit, moi, je pense surtout à Harry Potter, un peu. Mais voilà. On est bien rentré à l'hôtel. Quoi? On est en train de manger le reste de nos chimney cakes. Finalement, on n'est pas à la patinoire parce que flemme. Et je suis sur l'immense lit. Et
On va essayer d'aller à la piscine ce soir. Mais on sait pas où c'est. Pas si on va trouver. On va voir. Bon, finalement, par rapport au terme, c'était top, franchement. Il y a eu des moments où on avait un peu froid, forcément, quand tu sors de l'eau. Mais franchement, sinon, quand t'es dans l'eau, c'est parfait. Tu sens pas du tout le froid, t'es bien et tout. Et j'ai pas eu besoin d'acheter de tongs. Puisque, en fait, le monsieur à l'accueil, il nous a dit, quand on lui a demandé si on pouvait acheter des tongs directement sur place, il nous a dit non, mais c'est pas la peine, personne vérifie si vous avez des tongs ou pas, donc vous pouvez y aller comme ça. Et du coup, je suis allée comme ça. Donc, si vous avez pas de tongs, vous pouvez y aller pieds nus, mais je vous conseille quand même de prendre des tongs parce que c'est pas forcément ultra hygiénique. Genre, j'avoue, j'ai un peu peur de ce que mes pieds vont avoir après. Après, c'est pas hyper sale ou quoi, mais juste. Il y a forcément la piscine extérieure, bah tu marches sur du béton un peu, donc forcément quand t'es pieds nus sur du béton, déjà c'est froid parce qu'il fait super froid, donc forcément le sol était froid, et aussi bah c'est pas forcément hyper propre, mais sinon le reste du temps bah c'est comme toute piscine et tout, mais du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir des tongs, donc voilà, c'est bon à savoir, vous n'êtes pas non plus obligé de réserver, je pense. Après là c'était en semaine, donc peut-être que c'est beaucoup plus facile d'y aller en semaine. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de réserver, en tout cas si vous venez en semaine, en dehors des vacances scolaires et tout. Mais si vous voulez, vous pouvez réserver à l'avance. Et ça a coûté, je crois, une quarantaine d'euros pour nous deux. Un truc comme ça. Genre 20 euros par personne à peu près, il me semble. Et nous, pour le coup, on avait une cabine où on était tous les deux. Donc comme ça, on n'était pas dans un vestiaire collectif. C'était beaucoup plus cool. Après, je ne sais pas trop comment c'est le vestiaire collectif, mais je pense que c'est beaucoup moins fun de devoir se changer devant tout le monde et tout. Un peu genre piscine municipale. Là, t'avais une petite cabine privée, tu laissais tes affaires tranquilles, donc pas mal. Franchement, c'était sympa, bonne expérience. À faire, forcément, c'est l'activité à faire à Budapest. C'était vraiment sympa, je regrette pas du tout. Et là, Bastien, il est allé voir pour aller au spa de l'hôtel. Parce qu'en fait, sur le site, il y a écrit qu'actuellement, il est fermé. Et on voulait y aller ce soir, deux piscines le même jour. Et parce que je pense que demain, on n'aura pas forcément le temps. Et en fait, il y a écrit que c'est fermé, donc on est un peu déçus. On sait pas si on va pouvoir y aller. Donc voilà. En fait, il y a marqué que le spa il est ouvert si tu veux faire un soin, un traitement et tout. Et le truc, c'est que nous, on n'a pas envie, parce que ça coûte super cher. Mais on voulait juste aller au spa, genre profiter de la piscine, hammam et tout, enfin tout ce qu'il y a là-bas, quoi. Et en fait, on est un peu deg, parce que là, on se rend compte que c'est fermé et que demain, on a beaucoup de choses à faire, donc on n'aura probablement pas le temps. Petit chocolat qui a l'air bien bon, je vais goûter. Évidemment, on est content puisque la France a gagné. On allait voir le match dans un bar. Je n'ai pas pu tout filmer parce que j'avais plus trop de mémoire. Mais c'est bon, maintenant j'ai à nouveau de la mémoire, donc j'ai pu filmer. Et on a gagné 4-1. J'espérais 5-1, mais 4-1 c'est déjà très bien. Au début, quand on a pris 1-0, j'avoue, je regardais même plus le match. Et après, quand on a recommencé à marquer, je faisais un peu la meuf. J'ai dit qu'on aurait 5-1. On avait 4 ans. Parce que bon, voilà, autant je suis une footique, je regarde jamais le foot et tout, autant quand c'est la Coupe du Monde, je suis sensible. Tu vois, même quand c'est l'Euro, mais surtout quand c'est la Coupe du Monde, je suis sensible. Il faut qu'on gagne. Si on perd, je le vis très mal. Ouais. Je peux faire une dépression. Non, mais je peux déprimer vachement si on perd. Alors que d'habitude, je regarde jamais le foot. Mais bon, la Coupe du Monde, c'est très important pour moi, donc voilà, il faut qu'on soit champion, c'est tout. Just leave me.
taper ma meilleure sieste dans ma tête de 16h à 19h. Et là, on a commandé au room service des pizzas et les desserts qui sont mangés dans le fameux café New York. Parce que le café New York fait partie de notre hôtel, mais du coup, vu que c'est le café le plus célèbre et le plus beau d'après les gens, bah les gens, souvent, ils ont des trucs, enfin, une sélection de gâteaux à commander là-bas, et du coup, j'ai pu commander la sélection de gâteaux en dessert ici. Du coup, voilà, on attend que ça arrive, ça doit arriver à 19h31 apparemment. Donc, je sais pas quelle heure il est parce que j'ai galéré à 2h sur mon truc. Il est 16h16. Et... attendez, je vous montre avant que ça change. Merde. Ah, vous voyez à l'envers. 16h07. Et elle dit n'importe quoi, il est 19h16. En gros, on est presque à une heure de retard de notre room service. Du coup, Bastien les appelle pour savoir où c'en est, parce que c'est trop bizarre. Genre, d'habitude, ils n'ont pas trop de retard. We've ordered something 1 hour ago. I would like to know how was the... Bon, on aurait pu attendre longtemps. Ils n'avaient pas vu notre commande. C'est trop fort en plus. Mais... tu filmes là? Oui. Je peux voir ça, oui. On a reçu le repas. Les margaritas, mais moi je m'attendais pas à ce que ce soit des trucs frais, genre des tomates fraîches et tout. Et on a eu une bouteille en cadeau. Et on ne boit pas d'alcool. Un chardonnay. La panique. Les desserts au milieu. Il n'y a que ça comme dessert? Je suis morte. C'est la fin des vacances à Budapest. C'est la fin du séjour. Notre immense nuit. Et voilà, je suis triste. Il faut qu'on rende la chambre dans une heure à peu près. On est censé partir à midi, il est 11h, on vient de prendre le petit déjeuner, on est remonté. Il faut qu'on arrive à fermer la valise. Je sais pas comment on va fermer parce qu'elle est blindée. Et carrément, j'ai des sacs, je sais pas où on va les mettre. Je pense que je vais devoir mettre des sacs dans les sacs de Bastien. Il le sait pas encore. Et voilà. Et on décolle à 15h50. Donc on va bientôt partir. Jusqu'à midi, on prend la chambre. Je pense que le temps qu'on arrive à l'aéroport, il sera 13h. Et voilà, c'est pas mal comme horaire pour arriver pour prendre l'avion à 15h50. Donc voilà. Ouais, c'est bon, on s'en va. On quitte la chambre. On a fait toutes nos affaires. Je suis prête. La chambre. Oui, je suis prête. Il me saoule. La plus grosse épreuve nous attend, aller à l'aéroport et être à l'aéroport. Vraiment le truc le plus pénible du monde. Je suis pas sûre que je devais prendre ma valise moi-même, mais bon, je ne voyais pas la laisser. Ça se trouve, ils vont être choqués qu'on ait pris la valise. Je suis trop seule, on arrive à l'aéroport à une heure d'avance. J'en ai une heure à s'ennuyer avant de faire enregistrer.